Bonsoir, bonsoir. On partage, on envoie les cœurs. Je vais mettre un petit son quand même. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. À la vôtre. J'ai pas les droits d'auteur sur cette musique qui va jouer. J'ai envie de mettre la musique de ma coquette bisou, mais quand maintenant là, dès que tu mets n'importe quelle musique là, les gens si n'acceptent plus les musiques. Bonsoir, 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 bonsoir. Tu vas retrouver ta soeur là-bas. Vois-tu pas? Va avec ton lait là-bas. Va avec le lait là-bas. Va avec. Bonsoir, 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 bonsoir. On partage, on envoie les cœurs. Pourquoi de ça? C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir, 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 bonsoir. On partage, on envoie les cœurs. Pluie de bénédictions. Pluie de bénédictions. Que le Seigneur, à cette nouvelle année qui va commencer là, que le Seigneur te remplisse de grâce, de toutes ses grâces. Que ton porte-monnaie ne soit jamais vide. Comme c'est sorti, que ça entre seulement. Que ça se multiplie. Que le Seigneur te les rembourse au centuple. Sois béni une fois, deux fois, mille fois. Sois béni. Merci pour les étoiles. Ça me donne envie de danser, mais... Merci pour les étoiles. Le commissaire du général ici. Merci pour les étoiles, merci beaucoup. On partage, on envoie les cœurs. 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 Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 on partage, on envoie les cœurs. Abimke. Nanou, j'ai vu que ma fille a grandi, hein. J'ai vu que c'est son anniversaire, joyeux anniversaire encore. J'ai vu qu'elle a grandi beaucoup, hein. Maman, on vieillit. Oh. Bienvenue à Mère Camère sur le territoire français. Bienvenue à Mère Camère, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, à Mère Camère sur le territoire français. Oui. Bienvenue à mon frère à Mère Camère. Ok. Je n'aime pas recommencer à parler, on me dit à découper. Ah bah. Mais je n'écris pas comment il y a la musique. Ah ah. Hey. On dit que j'écris.
Donc toi là, toi qu'on a mis la, comment on appelle ça encore, la tête de mort, elle te bloque directement, et je ne sais pas savoir ce que tu as dit. Les intrus, il y a les intrus dans ma maison. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais bloquer quelqu'un là. Bonsoir, on partage et on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Bon, c'est pas grave, je vais appeler ma fille qui est en direct. Si elle peut casser les coups. On envoie les cœurs et on partage. S'il vous plaît. J'ai appris, j'aurais appris. Partagez, vous envoyez les cœurs. Partagez, vous envoyez les cœurs. J'aurais appris. D'autant que vous partagez. J'ai dit, j'ai entendu. J'aurais appris que quoi? Qu'on dit que si on voit ma fille à Paris, on va faire quoi? J'ai appris qu'on dit que si on voit Nicole à Paris, on va faire. Bien, Boudia, je vois que vous voulez encore repisser seulement sur vous. Tentez. Je vous montre que Paris, là, c'est nous. Tentez seulement. Le jour que Nicole vient en France, là, c'est moi qui parle à chercher. Vous allez faire quoi? Pourquoi vous parlez souvent là? Vous allez faire quoi? Menez Boudia. Vous êtes toujours là derrière les claviers, pata 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 pata, vous parlez. Vous voyez que si Nicole dit là qu'elle vient là, elle m'annonce officiellement, pas comme elle est venue là pour s'arrêter quelque part là, qu'elle m'annonce officiellement que ma mère, j'arrive à Paris. Moi-même, m'avais la chercher à l'aéroport. Moi-même, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne blaguez même pas, vous menacez à deux balles là. Faites ça parce que vous aimez bien gueuler là derrière les réseaux sociaux là. Vous donnez tous les rendez-vous aux gens. Quand on arrive après, on vous dose, vous dites que vous étiez, on était 100. On vous dose, vous croyez que c'est le bus qui est passé sur vous, commencez à dire que vous étiez 50. Alors que c'était une place. Donc, vous menacez souvent. L'autre est parti faire les associations des ketchup. Au Havre. Ma copine et moi, nous sommes arrivés au Havre. On a tongo, on a dansé, on a joka jusqu'à... Nous sommes repartis comme nous sommes venus. Il faut laisser le sissia. Hein. Vous aimez trop le sissia, dis donc. Vous aimez trop le sissia. Quand tu regardes Nicole là, tu vois que tu peux mettre le dos de Nicole par terre. Elle va te bastonner comme ça. Bastonner aller-retour. Allô? Oui, chérie. Je suis en direct. Ok, à tout. J'ai dit que. Vous dites que Nicole. On regarde Nicole. Et puis les Nicole sont par terre. Vous voyez Ngakia Boza. Méfiez-vous avec Ngakia Boza. Ça veut dire qu'elle connaît la pluie, le soleil, le bon temps, le mauvais temps. Elle connaît tout ça. Elle connaît toutes les saisons là. Donc ne tentez même pas. Tu vois la qualité qu'on te tape, on te met encore les dents, on arrache, non? Hein? Il faudrait essayer avec Nicole. Nicole, ne rigole pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. En fait, les étoiles là sont en train de me troubler. Quand je vois les étoiles là, c'est en train de me troubler. Ça me trouble en fait, je vous jure. Si ça monte encore, la bête va tomber. Vous savez que ça fait longtemps, il n'est pas vu la qualité de l'étoile ici. Vraiment, ne riez pas. Il ne faut pas rire. Ne riez pas vraiment, il ne faut pas rire. Quand il voit la qualité de l'étoile ici, il y a un nama bouma. Bébé là, Madou Kimina. Quand je vois la qualité de l'étoile ici, je vois ma copine m'a laissé un beau petit message. Kota, je suis déjà arrivée. Je suis en train de faire la correspondance. Kota, profite là-bas aux États-Unis. Oh, profite. Amuse-toi à fond. Profite. La vie est tellement courte, Kota. Les ténébreux là qui sont en train de nous jalouser là. Montre-leur comment manger la vie. Mm-hmm. Vous savez que demain, je vais commencer d'abord
par mon événement, non. Puis on continue notre japa. Ouais, non. N'oubliez pas demain, événement qui se tient demain à Paris. N'oubliez pas, je serai là-bas pour toutes les personnes qui ont bien envie de voir la tête de Maman Perpé. Demain, ça va à Paris. Et j'ai une commande de Mbongo Chobi. Donc, demain, là, quand je vais poster ça, j'ai une commande. Voilà. Ma grande soeur qui a dit que, bon, comme tu viens à Paris demain, là, fais-moi une mamie de Mbongo. Mbongo avec le poisson. Tu viens avec. C'est comme ça. Donc, demain, je serai à Paris. J'ai dit à toutes ces personnes qui ont un besoin, voilà les fêtes. Ils veulent passer les commandes de nourriture pour le réveillon ou pour passer les fêtes avec les amis. Passez la commande à Maman Pépé, encouragez-moi. Si c'est le poisson braisé, je fais. Si c'est le mbongo porc, je fais. Si c'est le poisson braisé, si c'est le porc braisé, si c'est le poulet braisé, si tout ce que vous voulez, non. On a call me. Appelez-moi, je vous sors le dongo. D'accord? Ne vous inquiétez même pas. Encouragez-moi. Vous m'avez dit de travailler, non? Ah, ma part de travail. Comment j'ai choisi? Je travaille. Donc, appelez-moi à n'importe quel moment. Vous m'appelez et je vais essayer de m'appeler là tout de suite. J'espère que vous allez bien. Vous portez bien. Je crois que demain je serai mon grand frère me sang. Hein. Demain je serai mon grand frère me sang. Sur Paris. C'est comment allez-vous? J'aurais appris que j'ai envie de parler. Je parle. Est-ce que je parle? Je parle. S'il faut que je parle, dites-moi de parler. Je n'ai même pas fait le direct quand les gens se sont dans la maison. Ils sont en train de me... Mais non, je n'arrive pas à faire le direct. Je viens faire mon direct quand je suis seule. Les gens se sont là. Ils me déconcentrent. Vraiment, je vous jure. Je ne suis pas à l'aise pour faire le direct quand ils sont là. Ils me dérangent. J'aime pas. J'aime faire mon direct quand je suis seule, bien concentrée. Les gens si là, font le tour là depuis là. Ouais. Je veux parler là. On va dire que Donc. Et rien pas. Au nom de Dieu. J'ai fait mon direct quand je suis seule. Ouais, non, quand je suis seule là, je suis dégagée, je suis détendue. Bon, quand il y a les gens là, comme ça là, ils n'arrivent pas. Je ne suis pas concentrée en fait. J'ai envie de parler, j'ai envie de me défouler, j'ai envie de me lâcher. Mais je voulais me verser un peu sur Bumbuko aussi. Oui, je voulais me verser sur Bumbuko aussi. Un peu. Mais. Je ne peux pas. Franchement, j'ai appris qu'on dit qu'on m'interdit de faire les directs. On m'interdit de faire les directs. Maman, chez moi, c'est l'homme qui porte le pantalon. Ce n'est pas la femme qui porte le pantalon. C'est vous qui faites en sorte qu'on dit, on insulte nos frères là-dedans. Moi, ici chez moi, c'est l'homme qui porte le pantalon. Mais quand nous sommes dans la chambre là-bas, nous tous, on a au moins un point d'égalité. C'est que quand ça ne va pas, il crie, je crie. Mais, donc je vais venir vous montrer comme ça là, que c'est, ici chez moi, c'est moi la femme qui porte le pantalon. C'est l'homme qui porte le pantalon. Oui. Ma copine vous a dit ça aujourd'hui, non? C'est l'homme qui porte le pantalon chez moi. Donc moi, il veut faire le direct. Il veut venir prendre une bouteille là. Je commence à dire que non, attends d'abord. Je dis que grimpe. Non. Chez moi, ici, là. S'il dit là maintenant qu'il arrête dans l'oreille, il tire, que lève-toi, je vais me lever. Oui, ça vous fait mal. Ici, c'est l'homme qui porte le pantalon. Ce n'est pas ça. Depuis quand c'est la femme qui porte le pantalon? Jusqu'à j'entends, elles sont là parler dehors. Oh, il a interdit.
Il a bastonne. Il bastonne jusqu'à. Donc, vous faites, on vous donne pas souvent les fessées sur les nasses. Toi, et n'a le buton, te n'a toi. Ma copine vous a dit ça aujourd'hui, non. Au goût de ça. Mais c'est le contraire chez vous. C'est vous qui naquez vos gars. Encore, c'est le gars qui prend la position de l'anga. Vous venez dire, on a interdit de faire les directs. Qui m'a interdit de faire les directs? Il est là-bas, dans moi aussi, je suis en train de faire mes directs. Mais c'est moi qui suis mal à l'aise. Je ne peux pas bien parler quand ils sont là, lui et ses enfants-là. J'allais parler maintenant jusqu'à... Ouais. Ça m'énerve. Oh. Ça m'énerve, je vous jure. J'ai envie de parler. Je vous dis, j'ai envie de parler. Je vois Bumbuko aussi. Elle s'assoit. Elle parle de mon gars. Un gars que si elle voit, elle a envie de lécher même comme ça, de lécher ses pieds. Quand tu regardes tous tes gars que tu as eu dans ta vie là, tous tes gars que tu as eu dans ta vie, tu as vu qu'il y a un qui est comme ça, la fraîcheur de sa maman. Quand tu passes à le gars, on sent que c'est le gars n'est pas la qualité, quand il jonque, tu dis que, tu commences à lui dire que, dis que je t'aime. Et il est aussi là-bas, comme un Dieu. Qui? Pour moi, il est éveillé, les yeux sont bien ouverts. Ce garçon, Bumbuko aussi, quand on dit que homme là, que tu dis que tu as un homme, le seul homme que j'ai connu que tu as eu, qu'un vrai gars, c'est grand-père. Oh, merci pour les étoiles, oh. Merci pour les étoiles, oh. Que le Seigneur te les rembourse au centuple. Qui continue à te donner comme c'est sorti, que ça entre seulement, que ça ne reste pas dehors. Bumbuko aussi, toi tu connais le seul gars que tu as eu, que vrai gars, qui t'a amené en aventure. C'est grand-père. Quand on dit que gars, c'est un Yaoundé, non? C'est grand-père. Tout le reste, là, c'est le vrac. Tu sais, toi, ça. Le seul gars qui t'a pris, c'est que on t'a ma tête d'aïe, on a enterré ta ma tête, tu n'as pas nié. C'est lui, il a tourné ta tête. Il t'a rendu tebe. Et mon fils Christian de Monaco, que le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon fils, que ça entre, que ça ne reste pas dehors, que ton porte-monnaie ne soit jamais vide, comme c'est sorti là. Que le Seigneur continue à te donner afin que tu puisses aussi donner à ceux qui n'en ont pas. C'est la bouche qui a béni. Sois béni, mon fils. J'ai dit, Bumbuko aussi, toi-même tu sais, quand tu me vois, tu regardes les photos de mon gars, tu es obligé de fantasmer sur lui, tu es obligé de partir dans les directs pour parler de lui, partout là. On dit que, tu sais pas que un kilo de riz, pour un kilo de riz nourrit 10 personnes. Vous êtes souvent teubé. On dit que, tu fantasmes là sur mon gars, je te vois passer, je te coupe le pied, ma tiguacole. Je te coupe le pied, ici, personne ne touche. Si tu viens t'approcher là, je te coupe le pied, tu guettes derrière. Il ne peut pas te guetter, il n'aime pas les nibas là. Il n'aime pas les gros nibas, il aime les... Petit compresseur, facile à garer, difficile à gérer. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux, ne passe même pas à côté. Ne essaye même pas. Personne ne passe à côté. J'ai la machette dans la voiture. Tu connais ce que j'ai dans la voiture. Je te casse le tibia. J'ai dit, les abeilles, il était cassé là. J'ai appris qu'elle a fait un direct là. Que j'espère que vous avez fait les captures. Parce qu'il paraît qu'elle était comme une bombe, même alors vrai. Vous n'avez pas fait les captures. C'est comme ça, vous faites les captures, vous faites les posts là, ouais. Bumbuko aussi. Donc quand toi tu te regardes là, tu vois que un Joe qui passe sur moi peut passer sur toi. Un Joe que moi, je dis que mon Joe, tu crois? Tu fantasmes sur mon gars. Parle de moi, ne parle pas de mon gars, mon frère. Parle de moi, parle de ta Victoria Beckham. Parle de ta star. Arrête de parler, tu ne dors pas la nuit, tu parles de mon gars, tu parles de mon gars. Hein? Tu fais les veillées sur mon gars, mon frère. Sache que moi je prie pour mon gars tous les jours, donc quelqu'un ne peut pas s'approcher de lui. Moi je prie pour lui. Et mon gars, tu ne vas pas voir mon gars dans mon direct en train de faire comme un gogol. Mon gars c'est garçon. Comme là maintenant, ça le prend là maintenant, il me dit qu'arrête-moi le direct là. J'arrête, j'ai le mal. J'ai un mal. Je n'ai pas une femmelette, j'ai un mal.
Dès que l'heure va sonner, il va dire, madame, viens assumer ton travail ici. Allez, dodo. Je n'ai pas fait dodo et j'ai yass à moi. Maman, elle s'assoit, elle dit que, on dit que il part en coche. Il n'est pas nulle part parce que lui et moi, c'est bloqué cadena. Bloqué cadena. Voilà. Un samedi comme ça, là. N'est-ce pas? Il pourrait aller voir le match d'or. Oh, il est là avec moi. Il monte, je monte. Il descend, je descends. Ça te fait mal. Boboko aussi. Boboko aussi, tu as mal. J'ai dit, tu t'approches parce que je te vois venir. Tu es là maintenant, là, tu fais le direct, tu parles, prononces son nom. Le gars autrui ne t'a rien fait. Il ne te connaît même pas. Tu es là, matin, midi, soir, tu parles de lui. On dit qu'il repart encore. Même s'il part, il dort avec qui? Avec moi. Matin, midi, soir. Il part, il naque, il revient. Il part, il naque, il revient. Même toi, il vient, il te naque, il revient. Ça veut dire que c'est moi la bosse, lady. C'est moi la bosse. C'est moi qui ai le bâton de commandement. Toi-même, tu es quatre, tu te naques. Oui. Mais il ne peut pas te naque parce que... Ma mère Guigui, la Guigui de Guigui, la femme choco, la femme la plus élégante de la toile. Oui, 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 il n'y a pas ton deux. Jamais. Ma mère Guigui, il n'y a pas ton deux dans l'élégance. Tu es là, tu es prête, tu es belle. Tu sais te mettre. Tu n'es pas vulgaire dans ton habillement, tu es très classe. C'est ça qu'on parle des grandes dames. Tu es mon exemple. Je parle aux jeunes filles ce que c'est que le mariage. Ils disent que, Tata Guigui, ils disent que mon gars m'a interdit de faire les directs, que mon gars me bastonne, que mon gars ne m'aime pas. Mais mon gars m'assume. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que j'adore quand il me naque? Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être j'aime quand on me donne les accolpilés. Ma copine vous a expliqué aujourd'hui que quand on te naque après, on vient te naque le oué là. Hey, Flo, Marco, j'étais couché, j'ai éclaté de rire jusqu'à elle m'a fait, j'ai ri. Ouais, ma copine, hein. Qu'est-ce que vous dites pas ça? Vous êtes là, vous faites lever, parlez de vous. Je vous ai dit que si vous faites les directs, vous ne parlez pas de Flo ou de compresseur. Pour les gens des ténèbres là. J'ai vu une aujourd'hui, on m'a envoyé un direct. Je vous ai dit, ne m'envoyez plus les directs des gens là. Vraiment, parce que quand je vois les directs souvent là, je fais les cauchemars. Les 15 000 vues, les 1000 vues, c'est fini. Vos vues là sont finies. Pour faire la visibilité, il faut parler de la chancelière. Parler de ma faute. Le 9 et le 10. Si vous ne parlez pas d'eux. Maman, si vous ne parlez pas d'eux, vous allez parler de qui sur la toile? Vous êtes obligé de parler de nous. C'est nous qui faisons, qui vous fabriquons. Vous êtes obligé de parler de nous, maman. Ah! J'ai dit, ici, Moboko aussi. Moboko aussi. J'ai entendu. Aujourd'hui, on m'envoie un direct. Je vois l'autre qui dit que les filles ne partaient plus. Vous venez d'apprendre les conseils que moi je donne aux filles. Les filles ne partaient pas chez le malam. Vous êtes les champions des malam. Vous voyez une fille qui passe par le Gabon. Quand vous voyez une gars qui passe par le Gabon, méfiez-vous. C'est les gars qui ont touché les Boka. Les Mbomboko aussi. Les Mbomboko aussi qui sont passés par le Gabon. Parce que toutes les gars qui sont passés par le Gabon, la plupart de sa génération sont d'ailleurs. La plupart sont d'ailleurs. Vous voyez une gars comme Mbomboko aussi. Elle a touché. Wenga qui passe par le Gabon, qui part vendre le pépé dans les pays africains là, il faut l'axe où doit la Yaoundé. Blague même. Boboko aussi, il faut plus parler de mon gars, il faut parler de moi. Tu as compris non? Quand tu fais tes directs, parle de Maléba, c'est moi ta star. Mon gars ne te connaît pas, il ne connaît pas lui les histoires des réseaux sociaux, mais tu as toujours son nom dans ta bouche. Naya, c'est déjà mon gars que tu calcules. Ici, tu ne peux pas. Ce n'est pas un tchou. C'est ici, tu ne peux pas le prendre comme un gogol. Tu dis bonjour. Est-ce que tu peux me parler de... Il a d'abord l'école dans la tête. Tu viens dire qu'il a Boza. Donc, quand on Boza, on n'est pas quelqu'un. Toi, tu as Boza, non. Ça a empêché que les gars te fument. Ça a empêché que tu aies un gars dans la maison. Donc, quand on Boza, là, on n'est plus... Il était marié avec... Il avait que
Toi, tu te maries aussi quand? Toi, tu parles de gens qui ont été déjà mariés. Toi, tu te maries quand? Toi, Mbomboko aussi. Njomba, nan Njomba. Toute ta vie dans le Njomba. Donc, tu sais quand même qu'il était marié. C'est n'importe qui sait. On se lève comme ça un matin, on dit qu'on s'est marié. Mbomboko aussi, quand tu te maries, tu lances le défi. Voici l'année qui commence là. Qui va commencer là? 12 ans de Njomba. Sans qu'on ne t'assume, qu'on ne dise que oui. Sans qu'on ne pas te me faire le toqué-porte. Et on voit la honte de ça. Venez vous asseoir, vous voulez vous comparer aux gens, vous voulez insulter les gens. Elle me beut. L'autre là-bas, Borosangi, elle montait du sang comme le mauvais esprit. Elle est arrivée ici à Paris. Elle est partie saluer mon frère. Donc tu croyais que mon frère allait t'embrasser. Le fait que tu insultes sa soeur chaque jour, tu vois qu'elle allait t'embrasser. Donc ta vie que tu es venue faire à Paris, là, c'est monter le sang dans les bars. Pour montrer que tu étais aussi à Paris. Tout ça, tu n'es pas là à la présidence. Et la honte de ça. Oh. Donc moi, je vais aller en Suisse, là-bas, là, en Allemagne. Je ne pars pas chez mon frère. Et je vais dire que j'étais là-bas. Et pitiation. Mais tous vos gens là, vous reçoivent ce matin en route. Hein. La seule personne qui t'a reçu même, c'est Surène. Elle au moins. Comment? La team des ténébreux. La ténèbre. Beaucoup aussi assise là. Beaucoup aussi ne t'a pas reçu. L'autre là-bas qui vient m'insulter, le canapé est pourri, pourri. Vous toutes là, mélangez, vous n'êtes rien, vous êtes zéro. Je vous dépasse. J'ai dit, je n'ai pas d'amis, mais je jah. Je n'ai pas d'argent, mais je jah. Je suis pauvre, je suis mendiante, mais je jah par rapport à vous. Bon, moi aussi, ne parle plus de mon gars. Je te jure, si tu parles encore de mon gars, le jour que je t'arrête, je tape. Voilà ça qui te dit. Si tu prononces encore le nom de mon gars, quand tu fais tes tirets, je t'arrête, je te tape. Tu as compris, non? Tu as compris? Le jour où on va se déchirer les couches, toi et moi. Tu as compris? Le jour que tu prononces encore le nom de mon gars, quand tu fais tes tirets, tu parles de mon gars. Je t'arrête, je te tape. C'est un avertissement. Voilà ça que je te dis là, Mbomboko aussi. Le jour que tu parles encore de mon mec, quand je t'arrête, ce n'est pas la balayette que je vais te donner, ni le coup de tête. Méfie-toi, tu me connais assez bien, tu connais. Donc méfie-toi de moi, je prononce le nom de mon gars. Tu as compris, non? Parce que mon gars, tu n'as pas encore vu mon gars faire les directs avec moi. On ne prononce pas le nom de mon gars. Tu prononces encore le nom de mon gars, Mbomboko aussi. Mbiboué. Non, gars. Je vais te battre. Faites vos directs. Insultez-moi. Parce que les injures n'ont jamais tué personne. J'adore ça. Et ça me rend forte même. J'adore quand on m'insulte. Donc, si tu aimes tes genoux, je vais te calculer. Quand tu vois les talons, parce que tu n'as pas d'équilibre quand tu as les talons. Comme tu veux forcer à entendre que tu as porté les talons comme la chancelière. Je vais te donner une balayette avec ça. Ma fille, tu ris quoi? Ils veulent nous faire rentrer en arrière. Je suis déjà très en forme. Oui, non. On dit que quand tu es avec un Joe qui veut te rendre forte, là où je suis là, j'ai pris encore 20 ans. J'ai rajeuni. Donc, essaye plus. Je vais te montrer que c'est la femme qui protège son mari. Voilà. Le mari protège sa femme dehors, mais avec les femmes là, mon mari ne peut pas parler avec une femme. Donc tu parles encore de mon mari, de mon mec. Je te casse la gueule. Tu as compris? Plus jamais je t'entends parler de mon mari. C'est la dernière fois. Si les autres vous permettez qu'on parle de vos mecs n'importe comment, moi je ne permets pas. Tu parles encore de mon mec, l'homme qui me donne le miel. Je te fais refaire. J'espère qu'on est très clair. Je te fais refaire. D'accord? Mon mec à moi, c'est mon mec à moi. Alors, ne l'associe pas à mes bêtises à moi. C'est la dernière fois. Tu as compris?
La deuxième fois. Voilà. Je parle encore de mon mec, je te bastonne. Vraiment une vieille chose comme ça dedans. Boboko aussi. J'aurais appris que vous avez dit que je peux pas m'exprimer. Si on nous met, on nous fait une interview, je peux pas m'exprimer devant toi. Mais Boboko aussi, est-ce que quand tu parles, moi je n'entends pas très bien ce que tu parles. Je sais pas si tu as failli être bègue ou tu as failli être, je sais pas, parce que tu parles tellement vite, tu n'articules pas bien les mots. C'est comme là quand tu avais dit à la dame du pays là que tu voulais de l'aide. Moi j'ai entendu comme si tu dis l'enfant de 12 ans ou 2 ans. Ok, Boboko aussi. J'avais envie de cocher un peu Boboko. Ok. Hey, Seigneur. Les zozonga comme ça là. L'autre là-bas, elle s'est pillée comme les poulets. Les gisgas. Gombongo, il dit. Mon frère, avec le genre d'argent que tu tires les valises tous les jours, là, on te fait les soins. À Château d'eau, là-bas, on te racle bien les pieds, là. Mon frère, non seulement tu fais le... Ouais, Seigneur, il m'a indi, ah, a manqué. Il m'a indi. Ya! Oui, Ngon Bassa, il m'a indi, là. Ya! La qualité que, quand elle a les ongles comme ça, là, dedans, là, il y a la chope qui reste souvent dedans, et elle fait souvent comme ça, là. Elle met dans la bouche. Aïe! Comme Bongo indi. Oui, il m'a indi. Tu es sale. Tu es d'une saleté. Seigneur, la main là que tu es en train de faire comme ça là, c'est ça que tu manges avec. La saleté reste là, tu fais comme ça là, tu enlèves, tu mets dans la bouche. Votre bande là, votre bande de sorciers, votre bande de haineuses là, faites des associations pour venir déstabiliser le 10 et le 9, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nous déstabiliser. On parle de vous quand on a envie de parler de vous. Sinon, vous ne nous servez à rien. Voilà, Boboko aussi, elle n'arrive pas à faire ses émissions. Elle vient parler de mon gars. On dit que, elle dit que. Parce que l'autre, là, je pouvais résister. Parce que mon neveu m'a dit qu'il ne veut plus jamais. Il ne veut plus entendre que je me chamaille avec un homme sur la toile. Il m'a dit ça. Que non, non, tata. Si j'entends que tu as répondu à celui-là, J'ai cru que Samuelette allait me taper. Bonjour, maman. Et dit, Boboko aussi, comme je dis là, faites vos directs, faites tes réunions de nuit, faites vos réunions de nuit sur Maliba. Et c'est mon gars. Parce que quand je fais les prières sur lui, je ressens que vous êtes en train de parler de lui et ça m'énerve. D'accord? Ton Eboka. Eboka que tu es parti prendre au Gabon, là. Sorcière Boboko aussi. Faut quitter derrière moi. Tu as compris, non? Faut quitter derrière moi. Je t'ai lancé le défi ici. Par rapport aux voix, tu es incapable de sortir ça depuis. Je t'ai lancé tous les quartiers des défis. Où ça t'énerve le fait que ma fille Nicole a pris l'émission à cœur ouvert. Oui, on a pris sa roue. Ne parle plus de mon gars. Boboko aussi. Tu parles encore de mon gars, tu me connais, je démarre ma voiture, je te cherche partout. Et si je t'attrape, je te fais refaire. Ça, c'est un avertissement que je tiens à te dire. Ne parle plus jamais de mon gars. Toi. Toi, je te dis, tu es une femme comme moi. Parle plus de mon mec. Tu parles encore de mon mec. Je vais te faire refaire. En vrai. Je vais te bastonner. Oui. Je vais te bastonner. Tu amènes ta soeur, je bastonne aussi ta soeur. Ça, je te dis. Ne parle plus jamais de mon mec. Tu as compris, non? Je veux que tu parles encore de mon mec. Quand je t'arrête,
Toi là, je ne veux pas utiliser ce qui est derrière ma voiture. Ça avait mes mains. Pour qu'elle allait venir dire qu'elle est venue avec le bus, mon cognon avec. Comme ça que j'avais été toujours. Parlez pour mon gars. Voilà ça qu'elle te dit là. Demain, je suis à Paris. Je fais un aller-retour. S'il y a une bouteille de champagne pour moi quelque part, vous me dites, hein, je reste. Et sinon, moi, ma fille dure quoi. Moi, je fais mon aller-retour. Je me voyais Emmanuel Keita, en vrai. Je ne l'ai jamais vu, la jeune là. Emmanuel Keita, je vais aller la voir en vrai. C'est aussi une influenceuse, hein. Mère des enfants aussi. Je vais aller la voir en vrai. Je veux dire qu'il y a beaucoup de Camerounaises qui l'aiment bien. Donc demain, ça va aller très vite. S'il y a quelqu'un qui va m'offrir une bouteille demain, vous me dites seulement, vous m'amenez et pas boire une. S'il n'y a pas aussi, je rentre. Mais s'il y a, dites-moi comment on se retrouve. Vous me donnez une bouteille. Je vais appeler mon frère Sepé. Je ne peux pas appeler mon frère Sepé. Je lui dis qu'il sera à Paris demain. Si une bouteille de champagne pour moi, on a tell me. Là, je suis en train de demander officiellement. L'ondoc, c'est le courage. Ouais, non. On fait comment? Demain, je suis à Paris, c'est samedi. Je vais rester avec les enfants. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te les rembourse au centuple. Merci. Comme c'est sorti que ça entre. Merci beaucoup. Merci. Merci pour les étoiles. Oh, c'est gentil. Ne partez pas chez les malams. Vous êtes les premières à partir chez les malams. Vous croyez qu'un homme normal, si on l'a pas mis là, on l'a pas amené chez malam, tu vas lui dire de rentrer dans la maison, va ramper. C'est parce que vous l'avez amené chez malam. C'est les malams. Vous êtes habitués à partir chez les malams. Vous voyez les gars comme ça, ils ont 4-3 enfants, 4 pères différents. Non, m'arrête. Même pas qu'on a consigné ma côté que bon, on va t'épouser. Vous êtes vous parce que vous avez les sales habitudes. Vous ne pouvez pas garder les gars. L'autre là avec toi parce que Hawa Godou. C'est le Hawa Godou. Il va encore aller où? Tu as fait le gars autour, il a fané, il a vieilli. Tu viens monter les habits, donc si tu n'as pas de richesse là-bas là. Tu ne peux pas dire que voilà le terrain que mon gars est parti acheter au pays. Tu peux nous montrer, tu montes le costume, tu dis que regardez les habits de mon gars. Seigneur, quelle villageoiserie! Tu es villageoise un beaucoup aussi. Donc moi je vais me lever ici. Je m'en ai monté seulement les habits. Seulement les habits. Moumou Kossine, tu es villageoise. Hein. Tu es trop villageoise. Tu ne peux pas nous montrer son titre foncé que voilà ce que mon gars a dit de pas au pays. Tu peux pas nous montrer quoi? Hein? C'est parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas le maturé. Il n'aime pas ces choses-là. On dit quand un homme est avec une femme, il y a les femmes qui ont le doutou, il y a les femmes qui ont la poisse, il y a les femmes qui n'amènent que le malheur aux hommes. Quand vous voyez le gars de Boboko aussi, là, il a fané, on dit que c'était un beau garçon. Il a fané, il a pris un coup de vieillesse d'un coup, pape. Il est devenu... Je vais couper mon direct, hein. Les enfants sont en train de jouer là, et leur père n'aime pas quand on m'avait joué avec eux. On va faire notre direct demain. Je m'avais joué avec les enfants là, ils ont commencé à crier, là. Leur voix sort ici, leur père n'aime pas ça. Je m'avais joué cache-cache avec eux. Quand ils jouent là, cache-cache avec eux, ça me faut aussi faire le sport. Mon beau aussi va t'insulter, il va te laver. Là, les enfants là commencent à crier comme ça, là. Leur père n'aime pas quand leur voix sort ici dedans. Bon, non, beaucoup peu. On dit demain, je vais faire le direct demain, d'accord?